Bon, faut que tu saches, tu peux pas faire plus humaniste qu'un mec qui a un nid d'oiseau sur la tête. C'est juste un exercice. Reste pisse, sinon tu peux aller te faire enculer. Bryan Singer, le mec, bon, c'est de l'américain. Le mec, c'est le réalisateur d'X-Men. X-Men, hein, le mec avec leur super pouvoir et tout. Et le mec, en fait, là, il est accusé dans une histoire de pédophilie, je sais pas quoi, il se serait tapé. Enfin, pédophilie. Plutôt harcèlement sexuel, disons, mais c'était encore sur des mineurs, donc c'est bizarre. Et il se serait tapé les petits mutants. Ouais, les petits acteurs, tu sais, genre. Mais le mec, il y allait, tu sais, en mode X-Men aussi, lui, donc tu vois, sodomie laser, enculade invisible, on sait pas comment ça se passe, mais super pouvoir, chapeau, franchement. Le pape François, un autre chapeau à ce brave roi des chrétiens, roi des Africains soumis, parrain et grand-père de VIH. Victor Igor Henry, hein, vous le connaissez bien, le mec dans sa pape mobile sans respect, hein, il prend le micro, un pour tous, tous pour le sida, Pater Noster Ave Maria, non préservatif, Pater Vomioster. Mais ferme-la, mais ferme-la, mais existe plus, disparaît, enfin je sais pas, un mot, arrête tes conneries François, franchement, on a un pape, le mec il se prend pour Batman, un président qui pense avoir du charisme, mais attendez qu'Israël prenne le pouvoir et vous allez manger des fessées sponsorisées CRIF, ah, ça va faire plaisir, non mais administré par le Trist, en personne, hein, le Trist. Si, t'as sûrement déjà goûté le sang du Trist, français, hein, le Trist est français. Et bien, le fist. Le Christ, le sang du Kyste, le sang du Kyste, ça c'est bah, c'est du pu, c'est réservé aux Chinois, donc ouais, c'est pour ça que j'ai dit à ma fille, jamais, au nom, jamais tu me ramènes un Chinois, ramène Chinois, hein. Hein, faut comprendre, autant, non mais non, jamais tu me ramènes un Chinois, autant tourner un film de cul en famille, franchement, profitons-en, en plus t'as moins de 14 ans, il y aura moyen de gratter une subvention des productions Mitterrand, mais non. Pense productivité, franchement, profit, bénéfice, je sais pas, avec ton chinois là, tu vas finir en rouleau de printemps, en acras de morue. Bon, certes, ça te correspond, mais enfin, pense, je sais pas, dans 2 ans, dans 2 siècles aussi, l'immortalité, c'est un choix. Attends, tu crois que je bois du sang parce que ça a le goût du gazpacho de mamie? Mais non, mais oh, chaussette, ouvre les yeux un peu, chaussette, parce que. Quoi? Non, non, j'appelle pas ma fille chaussette, attends, elle s'appelle chaussette. Avec un S, parce que sinon c'est comme Jean avec un G. Ça donne un géant, mais c'est pas très intelligent. Donc. Oui, un sportif de haut niveau, mais je suis pas sûr que l'émir du Qatar m'autorise à citer Zlatan, vu son taux de rentabilité. Après, tu peux aussi voyager, hein, et tu verras bien toi-même. La francophonie est assez sévère, hein, avec les peuplades devenues françaises par le viol. J'ai un cousin, son blaze, c'est opportuniste. Franchement, son père, il s'appelle Calvert. Sa mère, c'est Bouteille. Faut un peu de respect, s'il vous plaît. Non mais, c'est comme si Elie Semoun, moi je lui disais, vas-y maintenant, ton fils, tu l'appelles consanguin, ta fille, siamois, parce que siamois. Et donc, ta femme, on l'appellerait Popourri, par exemple. Je sais pas, imagine un peu. ce serait pas Gad Elmaleh, mais Gad Elmaleh. Tim Sit, non, 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 non. Patrick Fistit. Bon, là c'est vrai, faut piger l'anglais pour rire, mais bon, si t'as un cul, tu vas te faire enculer. Et non mais, dites-moi qui n'apprécierait pas un séjour en République Schneck. Ah oui, non, celle-là, elle est pas mal. Là, je suis bon, c'est vrai, je suis bon. Parce que non, ça, c'est aussi quelque chose que je vais rajouter. Issa, pourquoi est-ce que vous l'appelez Jésus? Comment est-ce que la transition, elle vient d'où? J'ai pas compris. La distorsion, je sais pas, je ne comprends pas. Ah là, je vais même pas savoir quel nom vous avez donné, mais moi, attendez, moi aussi, je vais changer le nom des choses. Je vais inventer des concepts, là, comme ça. Mais d'ailleurs, l'Afrique, enfin, l'Avéfrique, au vu des circonstances. C'est le royaume du faux, faut dire la vérité. Ben, non mais, regarde, Cameroun, ça veut dire crevette en portugais. Attends, médite un peu. Et franchement, en vérité, qui est plus rwandais que le président du Congo? Donc, c'est juste un exercice. Reste pisse, sinon tu. Hein, t'as compris.